C'est vous qui refoulez comme ça? Ça. Ben, il faut faire quelque chose, mon vieux, hein. Faut venir me voir. Vous voudriez bien sortir de tout ça, sortir comme ça, à partir là, des cadres, du pli social dans lequel vous êtes. Mais c'est pas possible. Nous si on a décidé de cerner les trucs comme ça, c'est pas pour vous embêter. C'est pas facile de s'extraire. Hein. Vous êtes un peu condamné à. Ben oui, vous êtes né dans un milieu complètement dextrogène, mon vieux. Alors nous, on est obligé de faire attention à tout ça. Hein. Ah oui, quand vous étiez petit, il y avait des petits enfants de pauvres qui passaient au loin, et votre maman, elle portait des jupes, votre maman, des petites jupes bleues, hein, avec des plis. Et ben, elle vous disait, regarde les petits, jette-leur des cailloux, jetez de l'eau bénite aussi, mais oui, mais vous avez vécu entouré de symboles sexuels, des trucs. Ça vous marque un enfant quand même, non? Des petits machins comme ça, des... Eh ben voilà. Et alors, maintenant, vous voulez vous enfuir. Vous voulez aller loin. Hein. C'est ça, non? C'est l'envie de péniche, ça. Mais l'envie de péniche, ça ne doit pas quitter le tiroir à fantasmes. On peut pas comme ça faire forcément tout ce qu'on veut. Il faut que nous tous, hein, d'horizons cliniques très très différents, cyclistes, thérapologues, conseillers chimiques personnalisés, eh bien nous nous unissions, hein, pour ce projet. Vous comprenez? Eh bien, mais nous pourrons arriver à quelque chose. On pourrait faire une kermesse, par exemple. Quelque chose comme ça. Hein? Il faut pas rester scotché comme ça. Hein? Thank you.